Kim Jong-un est arrivé dans l'extrême-orient russe. Il a été accueilli par le ministre de la Défense, Sergei Shoigu. Il est à Vladivostok pour assister à une démonstration de la flotte russe du Pacifique. Le dirigeant nord-coréen a monté à bord d'un navire de guerre. Il a rencontré plusieurs hauts gradés. Là, on le voit sur les images, dont le commandant en chef de la flotte russe. On lui aurait présenté les caractéristiques du navire ainsi que des armes anti-sous-marins. Plus tard, Kim Jong-un doit visiter une université et des installations de l'Académie des sciences de Russie. Les Occidentaux soupçonnent Moscou de vouloir acheter des armes à Pyongyang pour son offensive en Ukraine. La Corée du Nord est quant à elle soupçonnée de vouloir acquérir des technologies pour ses programmes nucléaires et de missiles.